Hey hey hey, que mes petits queues, bienvenue pour cette nouvelle vidéo réaction et analyse de trailer. Puisque nous savons, un nouveau pack d'extensions va arriver pour les Sims 4 cette fin d'année. Je l'avais pré-shot depuis plusieurs mois, on nous avait teasé, envoyé quelques petits messages subliminaux. Ce sera donc la montagne et les sports d'hiver qui seront à l'honneur avec escapade enneigée. C'est parti, on va regarder la bande-annonce tout de suite. C'est parti! Ok, de la luge, des téléphériques, oh c'est joli, ça a l'air très beau. Alors effectivement, la petite image montrait qu'on serait peut-être dans un monde asiatique. Le train, donc ce serait quoi, je pense que ce sera un monde de vacances. Nouvelle coupe de cheveux, de faire du surf, du slalom, avoir des skates lumineux, attention. Ça c'est l'escalade, on a déjà un mur d'escalade donc je pense que c'est la même animation. Ça a l'air d'être un joli point de vue. Ici on a une espèce d'un bain relaxant. Ouais, pas mal de nouvelles coiffures qui me plaisent beaucoup. Oh mon dieu, la grosse bête! Quelle horreur! Ah, des temples! Ah ouais, vraiment, on est vraiment plus parti sur un monde asiatique. Ah, je n'y connais absolument rien. Moi, les... Ah, on pourra faire des sanctuaires et venir peut-être se reposer dans un temple. Oh là là, mon dieu, il y en a, ils vont devenir dingues avec ça. À voir, quoi. Ok, 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 ok. Eh ben, ça fait beaucoup de choses. Et la sortie sera donc le 13 novembre de cette année. Snowy Escape en français, escapade enneigée, ça fait très très long et je trouve ça pas forcément très joli comme nom, mais c'est pas bien grave. Allez, on va tout de suite regarder le trailer en détail. Alors, première image où on a une femme qui est en train de surfer. On voit déjà qu'il y a... Alors, ça ressemble énormément au bonnet qu'on a de base, mais avec une paire de lunettes en plus. Et donc, peut-être une nouvelle coupe de cheveux avec une frange et plus de longueur sur les côtés, avec un nouveau manteau parka avec de la momotte à la capuche. C'est donc bien sur un surf qu'elle évolue dans un monde complètement enneigé. Peut-être qu'on pourra faire du surf à Willow Creek, on ne sait pas encore, on verra bien. Alors, le téléphérique, moi je vois ça ici, c'est le téléphérique avec la vue sur le monde du reste du monde, quoi, tout simplement. Avec des paires de skis à l'extérieur, hein, normal. On voit mieux ici une nouvelle combinaison et une paire de skis, les petits bâtons. Le casque, les lunettes, tout ça. Bon, après, moi, je trouve que le ski, c'est absolument pas glamour. Donc, au niveau des fringues, j'en espérais pas beaucoup. Mais j'ai cru voir déjà des trucs qui me plaisaient. Ici, on voit la luge avec un enfant, avec sa mère ou sa grande sœur, j'en sais rien. L'enfant, il a un superbe bonnet lapin que je n'utiliserai jamais, comme d'habitude, avec un haut parka, un pantalon un peu de neige, de ski, tout ça. La demoiselle a, elle, une nouvelle coupe de cheveux avec frange, avec deux belles tresses qui viennent sur l'avant. Elle est très belle, j'aime beaucoup la coiffure. Et il se casse la tronche, et ça fait mal. Voilà, donc on revoit encore très très bien téléphérique qui est magnifique, qui est très très beau. Donc je pense que nos Sims pourront le prendre, ou en tout cas ce sera une animation. Même si nos Sims peuvent y monter, à mon avis ce sera un trou de lapin. On ne les verra pas monter dedans ou à l'intérieur, hein. Faudra pas non plus espérer grand chose. Première vue sur ce nouveau monde qui se veut donc... J'allais dire japonisant ou plutôt asiatique. Entre les cerisiers en fleurs, nous avons maintenant des arbres rouges. Nous avons des nouvelles fenêtres ici qui me plaisent plutôt pas mal. J'ai l'impression que c'est une nouvelle texture de toit également. Et ici, des nouveaux papiers peints. Très 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 joli parc avec un magnifique pont ici que l'on voit. Est-ce qu'au niveau des plantes, il y a des nouveautés à part cet arbre que j'aime beaucoup déjà. On dirait un énorme bonsaï. Et celui-ci... nous avons ces petites sculptures-là, que j'aime bien. Je crois que c'est un nouveau banc et également ici une nouvelle petite barrière. Donc est-ce que c'est un élément seul ou une vraie barrière? Eh bien, on le verra bien. Une nouvelle coupe de cheveux avec un carré un peu stylisé avec des nouvelles couleurs. Une espèce d'impair avec un pull par-dessus. Et nous avons ce couple d'amoureux qui, eux, sont plus dans l'esprit, japonais, mais... avec des tongs, des kimonos longs. Alors elle en a un qui est avec des fleurs et lui il est plutôt uni. Et elle a l'air d'avoir une très jolie coiffure avec des fleurs aussi. Petit zoom sur un couple qui est complètement en train de patauger dans la neige. Alors là on voit qu'il y a une très très grosse épaisseur de neige. Hein.
Donc c'est assez cool. Avec nouveau bonnet, nouvelle coupe de cheveux, sûrement nouvelles lunettes. Des fringues que je ne mettrai sûrement jamais. Ensuite, zoom sur un restaurant, j'ai envie de dire, oui, c'est ça. Avec énormément de décorations qui rappellent eh bien, ben, l'Asie, le monde japonais, asiatique. Un tableau avec des petits post-it, des lampions, des masques ici, c'est des chats, j'ai l'impression. Des écriteaux, ça a l'air super joli. Nouvelle coupe de cheveux franges avec les cheveux longs derrière, quelques deux mèches sur le devant, avec une chemise à rayures, un short, un serveur. Par contre, les vêtements sont nouveau. Et la cravate, elle est ouverte, débraillée. Ça, on l'a pas. On les a toujours super comme ça. Vous verrez ici des nouvelles affiches et avec une affiche ouverte également pour sûrement publicité. Une petite sculpture, une théière et un bol. Ici, nous avons un train qui arriverait dans une gare, effectivement. Mais est-ce que ce sera jouable? Je n'en sais rien. De l'autre côté, je pense de la station, de la gare. Voilà ce que nous avons. Belle brochette de personnes avec des coupes de cheveux plus ou moins nouvelles. Nous allons voir de plus près les styles de ces Sims. Donc, nous avons cette coupe de cheveux cette fois-ci en brune. Un petit cardigan, voilà, rose. Nouveau jean avec un petit détail. Nouvelle boots avec moumoute. Chez le garçon, une nouvelle coupe de cheveux, un petit anorak, un bas, des chaussures. Ce jeune homme, une casquette à l'envers, un pull avec, je sais pas trop si c'est un sac banane ou juste un sac qu'il a en travers. Un pantalon, des chaussures. Et ici, une coupe de cheveux avec un petit effet de couleur, voilà, que j'aime bien. Un espèce de haut, style un peu kimono quand même, avec un tigre à l'arrière, un pantalon des tongs. Ici, on voit une coupe, petite coupe de cheveux, petite mignonne là, ça a l'air sympa. Au gros plan ici, un manteau avec des dessins un peu japonisants. Voilà, on voit mieux les visages et en même temps les coupes de cheveux. L'enfant, il est content et on le retrouve du coup sur sa luge. Et ça luge bien. On a ce jeune homme qui fait du surf sur un surf de multicolore. Et il a l'air de faire des figures. Ici, ça fait du slalom avec des skis doubles et des bâtons. Un surf avec des diodes de partout qui changent de couleur. C'est trop classe avec une nouvelle combi et la coupe de cheveux un peu ondulée. Là, on a un nouveau sportif en herbe qui s'essaye au ski et qui a du mal visiblement à le faire. Ça sera moi en vrai, hein, parce que moi, quand j'étais au ski la seule fois de ma vie, j'étais encore à l'école primaire, et donc j'ai eu un flocon. Et pouf, il tombe la tête la première dans la neige. L'escalade, nous aurons donc, je pense, ce mur-là et ce mur-là en escalade. Voilà, on arrive sûrement à ce point de vue exceptionnel. Du moins, on peut apparemment gravir une montagne. Oh, regardez les stalactites ici, c'est superbe. En tout cas, il a l'air de faire très très froid. Donc, on fait un feu. Et une nouvelle tente ici, avec une nouvelle combi également. Et voilà à quoi ressemble la montagne qu'ils ont gravie. Et là, ils sont carrément au-dessus des nuages. Regardez, eh oui, j'avais pas fait attention au premier regard. On abandonne les montagnes pour se retrouver un peu plus cosy à la maison. Avec cette maison ici, on voit donc ces lanternes-là, on les a déjà. Donc, c'est des nouvelles fenêtres ici, nouvelle porte qui a l'air vraiment très sympa. Ici aussi. Surtout. Ce qui est nouveau, c'est ici, cette espèce de bain là. Je ne sais, alors c'est un nom spécial, mais vous pouvez me dire dans le commentaire. En fait, je pense que c'est des sources chaudes et ils pourront aller se baigner tranquillement, même s'il fait très très froid dehors. On peut jeter un coup d'œil à l'intérieur de la maison avec une espèce de cheminée, poêle à bois un peu nouveau luminaire. On a cette nouvelle texture aussi de bois que l'on voit bien les rainures pendant qu'elle puisse se prélasser tranquillement dans son bain chaud. Ici donc nous avons une salle de douche commune avec une nouvelle douche, mais ça c'est trop cool. Une nouvelle douche sans cabine de douche, c'est beaucoup plus de possibilités en construction de se faire plaisir. Avec un miroir en face, des petites trucmuches là de shampoing ou de je sais pas quoi. Ça c'est un banc. Ou alors c'est un évier, je ne sais pas, on verra bien. En tout cas, le dessin que je voyais avec les montagnes, c'est tout simplement du carrelage. C'est hyper sympa, je trouve, ça change. Ici, on est dans les cabines pour se préparer. On voit mieux la nouvelle coupe de cheveux cette fois-ci avec des couleurs. La petite fille, elle a aussi son kimono sur elle avec les petites tresses. J'aime beaucoup cette coiffure. Et de dos, cette demoiselle a une très belle coiffure aussi, en tout cas une belle couleur.
Ici, donc, on a une espèce d'un intérieur de spa avec une magnifique vue d'intérieur, un petit rideau avec un chat, des kimonos de couleurs très variées, une nouvelle table, des nouveaux fauteuils, un autre nouveau fauteuil et un autre kimono. Et quand elle passe devant, c'est magnifique la transition puisque nous avons la vue sur la nature avec ce magnifique pont en bois avec un ruisseau qui passe en dessous et la montagne là-haut. Je pense que c'est cette montagne-là qu'on va voir. Regardez ce qu'il y a avec les nuages que nous avons en haut. Je pense que c'est celle-ci qu'il faut gravir. On revoit notre groupe d'amis où on voit mieux l'ensemble des nouveaux vêtements. Alors, ils sont dans une forêt carrément de bambou. Alors ça, c'est dégueulasse. Regardez-moi cet insecte gigantesque. Dans la vraie vie, il est petit comme ça. Mais dans les Sims, ils ont décidé de le mettre aussi gros comme as. On voit un petit peu ici un abri avec une petite maison à oiseaux, on dirait en tout cas, ou alors un lampadaire, je ne sais pas encore ce que c'est. Et ici, nous arrivons à l'espace un peu plus spirituel, avec une caverne et un espèce de temple devant. Et apparemment, on pourra s'y recueillir. Et en plus, elle prend une photo. Et ça va directement sur Simstagram. Est-ce qu'on aura vraiment l'appli Simstagram? Une autre photo où on voit vraiment l'aspect temple avec les petits trucs comme ça. Là, je sais pas, je crois que c'est des prières ou quelque chose comme ça. Bien sûr, on voit le petit lama. Hein, on est dans les Sims quand même. Une très belle photo de groupe qui pose devant le temple ou la tour du temple. Et ici, il y a un personnage, quoi. On voit un kiosque ici derrière pour manger. On voit des espèces de truites, là, les poissons, là, les carpe koi peut-être, en ballon, là, enfin, qui pas les ballons, mais qui prennent le vent. Et une petite fille ici avec des nouveaux vêtements, je pense, et deux enfants derrière. Ici, bah, c'est un panneau d'affichage avec les différentes pistes de ski, j'imagine. Ah, bah, ici, nous avons une chasse aux Pokémon. Voilà, sortez votre Pokéball. Et regardez cette petite chose qui est luminescente et qui est dans... Comme ça, je ne sais pas ce que c'est. Si c'est une petite créature, une bête ou une plante. On voit encore bien la coupe de cheveux et l'espèce de tour-temple qu'il y a avec la magnifique nature autour. Les éléments de construction, on a beaucoup de choses à voir, à découvrir. C'est très joli ce qu'ils ont fait. J'espère qu'on aura ce genre de construction dans le l'addon qu'on achètera. On voit mieux ici la chaîne, effectivement, c'est ou un espèce de gling-gling, là, comme des trucs qui sonnent quand il y a du vent. Et lui qui nous... Ah, donc c'est une nouvelle coupe de cheveux, regardez, c'est pas rasé rasé, il y a légèrement la trace des cheveux qui repoussent. Voilà un type de sanctuaire qu'il nous propose avec différents éléments d'intérieur. Mais oh my god, mais qu'est-ce que je vois? Nouveaux éléments de cuisine, nouveaux comptoirs, nouvel évier, nouveau frigo. Oh, nouveau tabouret, nouveau buffet avec énormément de bouffe à l'intérieur. Je sais pas si c'est des boîtes de conserve ou juste des pots de miel ou je ne sais quoi. En tout cas, c'est rempli, il y en a beaucoup. Donc ça, c'est le nouveau store aussi. Encore des nouveaux stores ou rideaux et des très belles étagères ici déjà agrémentées de petites choses. Nous avons un bonsaï miniature. On a l'air d'avoir des belles petites choses. Je suis contente pour les comptoirs de cuisine, hein, il nous fallait que ça. Et à l'air d'avoir un nouveau tapis un peu moumoute. Ici, c'est plutôt donc style un peu tatami mangé à terre, là, accroupi comme ça. Donc avec une table très basse pour manger, un nouveau pouf, un radiateur. En tout cas, c'est pour moi, ça ressemble à un radiateur. Une étagère avec une planche de surf recyclée, pas mal, avec une nouvelle lampe. Des nouveaux porte-manteaux en forme de montagne. Nouvelle cheminée. Elle est très très belle, cette cheminée. Elle est très 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 belle. Des nouveaux fauteuils. Des nouveaux gris-gris, peut-être ici à l'entrée, comment ça s'appellerait, avec les très belles portes coulissantes japonaises. Nouveau sol. Une nouvelle étagère. Ces nouveaux plats avec... C'est pas une raclette ni une tartiflette. Bon, c'est un truc asiatique, alors moi parle du japonais, donc ça je mange, le reste je mange pas. Hein, Et on les retrouve faisant de la luge, faisant aussi des bêtises avec la neige, mais ça on avait déjà un genre de truc avec, avec saison, hein. Et des nouveaux distributeurs, donc je sais pas trop c'est pour acheter quoi, les boissons, et là je sais pas trop ce que c'est, mais bon. On découvrira ça. De toute façon, ce trailer, c'est un trailer que nous avons pour annoncer le thème de cette expansion pack. Évidemment, il y aura un nouveau trailer
gameplay qui suivra, comme d'habitude, qui nous en dira un peu plus sur les choses. Voilà, j'espère que cette petite vidéo analyse vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à partager et surtout à la commenter. Ça m'aidera à me faire connaître. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et puis restez aux aguets pour les sorties des vidéos, puisque je fais partie du programme de Game Changer et que j'aurai sûrement un code à vous faire gagner. Donc n'hésitez pas à guetter la sortie de vidéo, puisque ce sera en lien dans la description de ces vidéos-là. Des gros bisous, à très bientôt. Ciao!